Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment rénover un vélo, et plus particulièrement un vélo ayant une chaîne rouillée. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'une brosse métallique, d'un chiffon usagé, et de quoi huiler ou graisser la chaîne, suivant comment on appelle ça. Pour ma part, j'utilise de l'huile usagée de moteur, mais on peut très bien utiliser des kits, enfin de l'huile faite pour huiler les chaînes de vélo. La première étape est de débarrasser la chaîne d'une partie de sa rouille, et ce grâce à la brosse métallique, en la posant sur la chaîne en exécutant 4 à 5 tours de pédalier à l'envers. Après avoir frotté la rouille, on va la récupérer grâce à un chiffon usagé, de même avec 4 ou 5 tours de pédalier. Je vais donc appliquer l'huile usagée. Pour ce faire, je vais l'appliquer au pinceau, mais dans le commerce, les bouteilles d'huile vont être avec un applicateur directement. À partir de là, on ne va pas appliquer l'huile à l'extérieur de la chaîne, puisque du mouvement du pédalier et des roues à l'arrière, l'huile serait éjectée. Ce qui nous intéresse, c'est de huiler les petits cercles à l'intérieur. Pour ce faire, on va appliquer l'huile à l'intérieur de la chaîne, comme ceci, de nouveau en appliquant des tours de pédalier. Une fois la chaîne bien huilée suite à 5 ou 6 coups de pédalier pour que l'huile rentre bien, du fait de la rotation, elle va avoir été éjectée vers l'extérieur et donc huilée aussi l'extérieur de la chaîne. A partir de là, des dépôts de graisse vont s'être faits sur le bord de la chaîne, ce qui n'est pas du tout intéressant puisqu'elle ne rentre en contact avec rien, à part la poussière et les vêtements. On va donc enlever ce surplus de graisse avec le même chiffon usagé, non pas en pressant toute la chaîne mais simplement les deux extérieurs. Et de nouveau, tourner le pédalier. Et nous voilà avec une chaîne comme neuve.